coup, il est temps de s'occuper des produits terminés. Dès que le bac est plein, je vous fais la vidéo et là, il déborde. Il y a de tout, il y a du make-up, du soin, de l'hygiène. Donc, on va pas attendre midi parce que c'est dans une heure. C'est parti. Alors, la vidéo produit terminé, pleine de poussière. Gel douche sur gras sans savon. Je pense que maintenant, vous savez que je n'utilise que ça. Celui-ci, c'est Jasmin. C'était la deuxième ou la troisième fois que je le prenais. Je l'aime beaucoup. C'est la marque Les Petits Bains de Provence. Ça, ça coûte 7 euros, mais on a un litre. C'est bio, c'est clean, c'est tout ce que tu veux. Il n'y a pas de savon, donc ça n'irrite pas la peau. Hein, moi, j'ai une peau atopique. Toute la famille a une peau atopique. Donc ça, on adore. Continuons dans les peaux atopiques. Ici, nous avons un grand format de crème de chez Bioderma. Elle s'appelle la Atoderm Crème. Ultra nourrissant, répare, apaise, protège. Peau sensible, normale à sèche. Ah oui, alors celle-là, je m'étais trompée, c'était pas la bonne, mais c'est pas grave. J'ai utilisé cet été, du coup, et on l'a fini là. C'est des crèmes, en fait, pour le corps, mais moi, je mets sur le visage. Donc là, j'ai la version peau atopique que je mets sur le visage. C'est clair ce que je dis? On a 500 ml de produit, c'est économique et c'est surtout très efficace. Il faut mettre un sérum, par contre, hein. En parlant de sérum, et ça pourrait être votre routine et rien de plus, ce serait un minimum qui serait sensationnel, hein, j'ai envie de dire, si vous avez la peau normale, donc ce sera ce flacon-là. Peau sèche, c'est l'autre, c'est peau atopique, la différence. Ici, on a un format, je crois que c'est 300 ou 500 ml. En fait, c'est un sérum à base d'acide hyaluronique de la marque Ada Labo, c'est japonais. Je l'achète autant sur des sites japonais ou chinois plutôt que sur Amazon. Là, moi j'ai racheté la recharge, donc on recharge ça et on réutilise. C'est exceptionnel, hein, concernant pour l'acide hyaluronique. Au niveau de l'hydratation, c'est top. Ma fille qui a la peau mixte, c'est son sérum, et nous on l'utilise en plus de nos sérums le soir. Nous on adore. Ici, un gel douche qui me restait. Alors oui, il n'y a pas eu de haut Livre Rocher cette année, je sais pas si... enfin l'année dernière. Il y en a eu un en 2021, en décembre, où j'ai fait la radia sur les soldes, notamment cette senteur orange fondante qui est sensationnelle. Et je n'ai plus acheté. Tout simplement, alors, j'achète toujours des produits Livre Rocher, mais plus de gel douche, parce que je n'utilise que ça. Donc ça, c'était un de mes derniers. Ouais, ça devait être le dernier ou un de mes derniers. Et donc, du tout, je les utilise pour me laver les mains. Je les mets dans mon pchit-pchit là pour les mains. Donc, c'est parfait. Ça sent bon. On est content. Ici, alors, je le jette. Je ne compte plus acheter la recharge. C'est la marque Green Keratin. Et on peut acheter des recharges, des sérums. C'est des sérums qui font 100 ml. Et ici, c'était le Yellow Plasma. Dont tout le monde en faisait des blabla à tout va pour réparer la peau et tout. Moi, je vois pas en quoi il est exceptionnel, ce sérum. Alors du coup, j'avais acheté celui-ci plus la recharge. J'ai fini la recharge, j'ai utilisé plus de 6 mois. Bof. Et là, ça fait à peu près un mois et demi, 2 mois que j'utilise plus. Bah, il m'a pas dit « rachète ». Donc non. Celui-là, en tout cas, je rachèterai pas. Voilà, ça malheureusement, Elden Shoulder, le Suprême Hydratation, il n'y a que quand je l'utilise lui et que lui que je ne lui fais pas d'infidélité, et ben je n'ai pas de pellicule, je n'ai pas le cuir chevelu qui me gratte. Donc voilà, donc effectivement, on va dire ouais, mais c'est compo dégueu et tout, ouais, mais en attendant, je suis pas en mode stressé, en mode putain, j'ai plein de pellicules, j'ai le cuir chevelu tout sec. Donc, ben, merci Elden Shoulder. Moi, j'ai rien d'autre à dire. Ici, on a, alors, il doit y en avoir d'autres. On a une hydrola, c'est la Myrte de Corse. Ici, on a un hydrola de bleuet que j'utilise
dans mon petit truc ici, notamment pour nettoyer mes make-up, hein, si vous n'avez pas vu, il y en a un de la semaine dernière, n'hésitez pas à aller voir. Et également, on a un pot de lotion avec ma fille, où je mélange plusieurs hydrolats, mais en majorité, il y a du bleuet, pour nettoyer les yeux notamment. Je m'en sers également pour faire mon tonique. Voilà, c'est tout. C'est tout pour le moment, c'est tout. Ici, de chez Green Keratin, on a le LMW Peptide Face Serum. Donc, c'est un sérum aux peptides et à l'acide hyaluronique. Il est très bien. Là, je suis en train d'en utiliser un autre. Je pense que c'est la nouvelle version que j'utilise actuellement. Ça, je suis susceptible de racheter, effectivement. Ici, j'ai terminé un parfum. Il m'en reste un qui est là, mais il est quasiment vide. Donc là, c'était Shalimar. Donc j'ai terminé le Shalimar. C'est la marque Exhalescence Eau de Parfum. C'est des petits flacons, là, j'avais pris 35 millilitres. Ça tient pas mal, franchement, c'est plutôt bien. J'aime bien. Et c'est une collègue de travail, en fait, qui les vend, hein, comme tu dirais, Tupperware ou Party Light ou tout ce que tu... ou Unique. Elle vend des parfums. Eh ben, j'en ai terminé un premier et j'aime bien, oui, je vais lui en racheter, c'est sûr. Ici, j'ai terminé la base de chez Makeup Forever. Yeah. L'Hydra Booster Step One Primer. Ça doit être la deuxième ou la troisième que je termine. J'en ai une en cours, j'en ai une en bac. Voilà, c'est ma base to go, hein, ma base préférée pour préparer ma peau chiante. Chiante, chiante. Voilà, c'est une peau perfectrice, hydratation, j'adore, elle tient bien le make-up plus longtemps, super. Heureusement qu'elle existe parce que sinon ce serait... D'ailleurs, merci Makeup Forever pour pas mal de choses. Ici, on a, je l'ai terminé la semaine dernière, c'est la recharge Vitamine C ELMW Hyaluronique Face Serum de Green Keratin. Donc là, ça m'a re-rempli le flacon. Il faudra que j'en rachète. Celui-là, par contre, je ne vais pas l'arrêter. Je l'aime énormément. Donc, c'est le sérum à l'acide hyaluronique. Donc, en fait, ELMW, c'est leur grand truc d'acide hyaluronique qui est réputé, qui est très réputé. C'est une super marque, hein, Green Keratin. C'est super rapport qualité-prix au top. C'est anglais. Et donc là, dans celle-là, ben, c'est à la vitamine C. Et je trouve que mon teint est plus lumineux, plus uniforme. Ouais, il y a moins de taches, il n'y a pas eu d'apparition de nouvelles coupes roses, je sais pas si ça se dit, et si c'est possible, mais bon. Donc ça, une fois que j'aurai fini, je rachèterai la recharge. Ici, j'ai terminé un tonique de chez Ritual, qui s'appelle The Ritual of Namasté, purifiant. Alors, il n'était pas du tout purifiant, hein, il était plutôt hydratant, hein, quand on regarde la compose, plutôt de l'hydratation. Moi, j'ai beaucoup aimé ce petit toner. Pas très cher, hein, sur ces produits Rituals, c'est pas très cher. Et c'était au lotus et à l'aloe vera. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je suis susceptible de racheter, oui. En plus, je trouvais que c'est plutôt le packaging. Je le trouvais plutôt classe, joli, simple mais efficace. Moi, ouais, j'aime bien. Ici, j'ai terminé un gel d'aloe vera. Donc, en fait, je les utilise pour fabriquer mon sérum. Donc, ça va faire 10 mois à peu près que j'utilise ce sérum que je fabrique moi-même. Il y a une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à aller voir. Donc je l'ai refait pour la deuxième fois. Et mon mari le trouve sensationnel, il est en train de me le tomber aussi. J'utilise tous les matins après mon sérum à la vitamine C justement. Et il est à base d'aloe vera et de différentes huiles, hein, spécifiques à notre type de peau. Nous on a une peau plutôt sèche et déshydratée. Donc voilà, mais il suffit de changer les huiles en fait pour que ce soit adapté à une peau mixte. Vous mettez du macadamia, de la noisette, du jojoba, et dans ce cas-là, les peaux mixtes à grasse peuvent l'utiliser. Ici, rien à voir, j'ai terminé. Alors ça, vous ne le mettez pas sur le visage, hein. C'est de chez Maison Berger, j'aime beaucoup, c'est leur bouquet. C'était la recharge pomme sucrée. Celui-là, j'ai pas spécialement surkiffé. Et donc, c'est avec les bâtonnets, je vais pas aller le chercher, hein. Vous savez, espèce de, vous avez un petit flacon, vous mettez des bâtonnets, vous mettez ce produit et ça diffuse une gentille odeur. Une gentille odeur. Donc moi j'aime bien ce système dans la maison. Par contre, ça va super vite, ça va super vite. J'aime beaucoup Maison Berger. J'aime bien, je sais pas pourquoi.
Je sais pas, ça j'ai un peu peur. J'ai terminé un petit parfum de chez Nocibé qui s'appelait Jazzy Dream. J'ai adoré ce parfum. En réalité, ça fait très longtemps qu'il n'y en avait quasiment plus, mais je le gardais parce qu'ils ne l'ont pas refait, ces saligots. N'est-ce pas? Merci Nocibé. Et maintenant, ils refont plus de petits parfums comme ça, ils refont des grands, donc c'est 30 balles. Là, c'était 6 euros quoi. Donc bon, tant pis. Je passe pas 10 jours dessus. Ici, j'ai utilisé un masque hydrogel. Pour les yeux, il y en a deux, j'avais les deux versions. Franchement, super bien, c'est frais, c'est agréable, ça maintient bien l'hydratation. Je trouve que ça donne un coup de fouet, ça coûte rien. C'est chez Action que vous trouvez ça. Moi, je valide carrément, je m'en rachèterai à chaque fois, c'est sûr. Alors, j'ai pas gardé hein, tous les masques Action que je fais. Vous savez, moi, c'est celui avec les 7 jours de la semaine que je préfère. Je trouve qu'il a un rapport qualité-prix qui est vraiment intéressant, mais voilà. J'ai terminé l'huile de caquette de chez Green Keratine, dont tout le monde parle, enfin surtout Sonia Seller en fait, non pas tout le monde, pas tout le monde, juste Sonia. Ouais, déjà quand je l'ai ouvert pour la première fois, et en fait je me suis coupée sur le flacon, sur le truc invraisemblable, hein, forcément, je me suis coupée dessus. Je trouve ça très cher pour une huile. Sachant que maintenant l'huile de calcaire, on la trouve chez Aromazone. Ouais, chez Aromazone. Elle est souvent en rupture, mais il y en a, donc ça sert à rien d'aller la payer plus cher. Là, l'avantage, c'est qu'elle était mélangée. En fait, c'est un petit cocktail, hein, c'est pas que d'huile de calcaire. C'était bien, maintenant, c'était pas ouf non plus, j'ai pas vu une différence. Non, je rachèterai pas en tout cas ce produit. De chez Huda Beauty, j'ai terminé la poudre Easy Bake Looking, bon bref, poudre libre, baking et fixation. Elle est sensationnelle. Je crois que cette année, il y en a plein qui l'ont découverte alors qu'elle existe depuis une éternité. Si vous avez la peau sèche, normale, mix, tout ce que vous voulez, elle est sensationnelle. Elle est belle, elle se voit pas, elle tient bien le sébum en place et elle floute. Moi, j'ai la teinte Pound Cake, si vous voulez savoir, et la neuve est là-bas, donc je vous dis pas des bêtises. Hein. Oh, vous croyez que je vous dis des bêtises? Allez, t'es où ma petite cocotte? Voilà la nouvelle, voilà l'ancienne, voilà, je me fous pas de vous, hein. De toute façon, je m'en fous, je gagne rien, vous n'êtes pas obligé d'acheter. Alors ça, par contre, si vous n'avez pas encore acheté cette huile, mais c'est incroyable, que faites-vous? Que faites-vous? L'huile à la camomille Yves Rocher pour démaquiller? Moi, j'utilise que ça. Je pense que vous le savez. Je vous en ai gardé qu'un. Je suis sympa. J'aurais pu vous faire des lots. Chiara l'utilise, hein, ma fille aussi, maintenant. Donc, sans coton, enfin. Donc, très bien. Merci. Elle a enfin lâché ses cotons. Elle est sensationnelle. Elle pique pas les yeux. Elle démaquille tout. Enfin, voilà. Moi, j'ai rien à dire. Rapport qualité-prix, excellent. Gros big up pour Yves Rocher, franchement il y a des produits ouf chez eux. Ici, j'avais eu ça dans une des dernières box Gloria. Il y a un récap Gloria sur la chaîne, n'hésitez pas à aller voir, c'est une box. Et c'était un tout petit contenant, vraiment il était mini, hein. Plus gros je l'aurais utilisé aussi. Hein. Aloha Jelly Bomb, donc une bombe d'hydratation à l'aloe vera. 3 en 1, Day Night Mask. Ok, moi j'ai utilisé, je sais plus, le soir je crois. 24 heures d'hydratation, et ben, c'était de l'aloe vera quoi, donc moi j'aime beaucoup l'aloe vera, j'en ai dans ma routine, donc j'ai utilisé. C'était rapide ça, hein? Est-ce que je le rachèterais? Non. Non, je préfère l'aloe vera pure et fabriquer moi-même mes trucs. Le mascara Unique. Moonstruck Epic 4D. Un de mes best. Je me demande si il a pas détrôné quand même le Better Than Sex, Monsieur Big. Oh, Monsieur Big. Ça fait longtemps que j'ai pas eu Monsieur Big, mon Yves Saint Laurent. En ce moment, j'en ai plus un seul de mes préférés et je suis dégoûtée. Mais dégoûtée. Là, j'ai le petit Lancôme en cours et d'autres, mais je suis pas emballée quoi. Donc voilà. Donc Lily Muse, je sais pas si elle a arrêté Unique ou pas. Il va vraiment falloir que. Je prévois de me le commander si c'est pas le cas parce que là vraiment j'ai un manque au niveau mascara volume, c'est compliqué.
Merci si tu m'as entendu. Si je jette le mascara Lash Paradise Waterproof, en fait, j'utilise jamais de waterproof. J'ai dû l'utiliser cet été et je me dis que d'ici l'été prochain, c'est peut-être un peu dégueulasse à garder. Donc, je rachèterai pas de waterproof tout court. J'avais acheté du waterproof aussi parce que j'avais les yeux qui n'arrêtaient pas de pleurer. Et j'ai acheté des gouttes, je sais plus ce que c'était exactement, à la pharmacie. Et en fait, ça a réglé mon problème. Donc voilà, ça lubrifiait mon œil, je crois, ou un truc comme ça. Et depuis, ça a vachement mieux. Par contre, quand il y a du vent et tout, et du soleil, ça pleure. Mais bon. Ici, j'ai terminé. Il est en train de moisir. Il est temps de jeter ce petit reste. C'est le sérum éclat nourrissant et illuminateur de chez COS. COS, c'est une super marque. Une marque un peu de luxe. Ça, c'était un reste de la Beautiful Box. Je l'avais gardé, il était en vente. J'ai tout viré de mon Vinted. Faut que je refasse un Vinted, mais ça me fait chier. Ça m'ennuie. Sérum COS, super marque. Ça, moi, j'aime bien après tous mes sérums le soir et avant ma crème hydratante. Oui, bah, il y a du boulot, quoi. Il hein, y a du boulot. Donc ça, super. Ce que j'achèterai absolument pas, ça coûte une blinde. Je prends d'autres huiles, c'est beaucoup plus facile. Ici, et c'est le dernier produit de chez Make Up Forever, nous avons la petite poudre Ultra HD en version compacte et mini, du coup, qui est terminée. Hein. Tu veux contrôler, contrôle, il n'y a pas de problème. Que j'ai racheté il n'y a pas longtemps en version grande taille, n'est-ce pas? Et puis édition limitée, mais ça on s'en fiche. Donc moi cette poudre en fait, alors je l'ai en version libre, bien sûr. Je pense que tu le sais, je l'ai en version libre. Je l'ai en version libre mini. Et je l'ai en version libre colorée. Oui, j'aime cette poudre. Effectivement, pour le dessous de l'œil, c'est sensationnel. La version compacte, moi je l'utilise en fait pour fixer ma base à paupières systématiquement. Ça fonctionne excessivement bien. C'est la meilleure poudre du monde. Je pense que je l'ai dit un milliard de fois. Pour ma peau à moi, c'est toujours pareil, c'est en fonction de vous. Voilà. Bon, ben voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous connaissez certains des produits. Est-ce que ça vous a donné envie de découvrir certains produits ou au contraire. No way! Dites-moi ça, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!